Salut à tous, c'est Piwi pour un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un peu donc tout ce qui est retouche photo. Donc c'est vraiment pour les personnes qui voudront partir dans la photographie, mais qui ne savent pas comment vraiment retoucher leurs photos. Donc alors aujourd'hui, on va prendre une photo que j'ai trouvée sur Internet de l'actrice Scarlett Johansson. Donc j'ai pris cette photo-là parce que bah enfin j'ai pris cette personne-là parce que bah voilà c'est une personne publique donc les photos ça la dérange pas, je pense qu'on les utilise. Donc alors on va venir ouvrir donc notre photo. Donc voilà. Alors par contre vous m'en excuserez, mon ordinateur a un peu de mal avec le logiciel pour enregistrer plus tout ça. Donc alors je vais fermer ça et on va venir ouvrir notre photo s'il veut bien. Ok, voilà. Donc alors là vous voyez la photo, elle est pas très nette, c'est vraiment une photo presque naturelle parce que enfin forcément elle est maquillée et compagnie. Donc on va venir donc double-cliquer sur notre calque, donc sur notre premier calque, la photo, pour la déverrouiller. Donc c'est pour pouvoir vraiment ajouter des effets dessus, même si on l'utilisera pas vraiment. Mais donc alors, on va utiliser aujourd'hui l'outil tampon, un outil très intéressant. C'est vraiment pour supprimer toutes les imperfections, comme on voit ici, il y a des espèces de taches. Ici, il y a un petit, on dirait un petit bouton, je ne sais pas. Et là aussi, il y a encore des taches. Donc, on va venir vraiment utiliser cet outil pour vraiment rendre notre photo la plus belle possible. Donc, pour l'utiliser, tout simplement, vous prenez, par exemple, là, on a notre tache ici. Vous prenez un point en dessous qui n'est pas dans le cercle donc de sélection. Appuyez sur Alt et vous cliquez. Ensuite, on va venir tout simplement recliquer plusieurs fois afin de vraiment retirer la tache. Donc là, comme vous voyez, ça en rajoute une, ça la retire pas vraiment. Voilà. Là, on a notre tache qui est complètement retirée. Ensuite, on va refaire la même opération à d'autres endroits. Voilà. Hop. Hop là. On va vraiment rendre la photo la plus belle possible. C'est le où est-ce qu'il y a le moins d'imperfections pour vraiment aller travailler sur quelque chose de parfait. Donc c'est un outil qui est vraiment utilisé beaucoup par les personnes qui font de la retouche photo. Hop là. Voilà. Là on est quasiment bon. Donc cette photo-là, vous pouvez la trouver soit sur Google, soit je la mettrai dans un téléchargement. Donc voilà, là on voit que la photo est déjà devenue plus belle. Enfin, avec ce qu'on a fait, c'est déjà un peu mieux. Donc ensuite, on va venir dupliquer notre calque, soit en faisant CTRL-J, soit tout simplement en faisant un clic et glisser de notre calque sur le bouton Nouveau calque, et ça va nous le dupliquer. Voilà, j'ai réussi à le dire. Donc ensuite, on va venir dans la galerie des filtres. On va prendre dans l'artistique, donc je ne sais jamais comment ça s'appelle en français. Je crois que c'est pinceau mouillé ou un truc du genre. Et on va venir ici augmenter un peu la texture. Donc je ne sais plus si ça change quelque chose. Ah voilà. On a augmenté un peu la texture. Donc vous voyez là on a déjà un truc un peu plus artistique. Mais c'est pas vraiment l'artistique qu'on cherche. C'est vraiment la retouche. Donc vous cliquez sur OK. Ensuite on va retourner dans nos filtres. On va sélectionner les flous ou blur en anglais. Et flou gaussian ou blur gaussian ou gaussian blur en anglais. Et on va venir mettre un flou de 3,8, ou bien on va mettre quelque chose de net, on va mettre 4. Vous appuyez sur Entrée. Donc là, vous allez dire, ouais, mais là, c'est moche.
Et bien justement, c'est là qu'est toute l'utilité, c'est justement c'est ça, c'est très important dans notre retouche photo. Donc on va venir ajouter un masque de fusion. Donc c'est à côté des options de fusion, vous cliquez ici. On va prendre notre outil brush soit en appuyant sur B, soit en venant sélectionner ici. Et on va prendre une grande taille. Ouais, voilà, 78 ça va, avec une dureté de 0% ou hardness en anglais. Donc maintenant, on va venir mettre notre masque de fusion, on va tout mettre en noir. Donc vous faites Shift F5 et vous appuyez sur OK quand vous avez sélectionné le noir. Donc ensuite, on va venir mettre en blanc, ici, notre couleur de brush. Et on va venir vraiment sélectionner le visage de notre modèle. Donc c'est encore une fois, comme je disais, c'est quelque chose de minutieux. Donc voilà. Hop là, on fait un peu comme comme quand on était enfant et pour les coloriages, on fait les contours. Voilà. Hop, maintenant on remplit le milieu. Voilà. Donc pour voir si on a bien fait tout le visage, vous faites CTRL et vous cliquez sur votre masque de fusion. Là on voit qu'on a un peu ripé. Donc hop. Il faut vraiment prendre tout le visage. Donc si forcément s'il y a des cheveux qui viennent devant, il faudra aller dans les couches alpha et compagnie pour vraiment retirer les cheveux. Donc ensuite vous appuyez sur CTRL D pour désélectionner. Ou bien dans sélection déselect. Ensuite, on va venir mettre une opacité de 63%. Et là, on voit déjà que c'est vraiment très lissé, très joli. Enfin voilà. Donc après, c'est au feeling. Hein. C'est pour vraiment si vous voulez quelque chose de fort lissé, de quelque chose de très naturel, vous pouvez aller un peu plus haut, un peu plus bas dans l'opacité. Donc là, on va mettre par exemple 45%. Et on va venir, en fait, on voit ici les yeux. Ça fait pas du tout naturel. Donc on va venir prendre on va venir prendre une taille de brush un peu plus petite. Donc hop, maintenant on va venir mettre en noir et on va défaire, voilà, les pupilles. On va Voilà. Donc on va mettre en noir, pourquoi tout ça? Je me suis trompé. Alors, excusez-moi. Voilà. Je me suis trompé, j'ai oublié de cliquer sur le masque de fusion. Donc ça, c'est un truc aussi que tout le monde se trompe. Il y a beaucoup de personnes qui se trompent. Donc alors ici, on va venir mettre en noir un peu les pupilles. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper directement de l'œil, donc le blanc de l'œil, pour en fait éviter que ça soit un peu flou au niveau des yeux. Donc si je mets pas en noir, c'est, excusez-moi, c'est, on va dire c'est le matin. Donc alors, je vais dézoomer pour vous montrer, oups, pour vous montrer un peu la différence. Donc on voit quand même une légère différence, enfin même une différence très marquante. Et voilà, ça c'est surtout utilisez-le pour les personnes par exemple qui ont des yeux bleus. Donc après vous pourrez encore aller encore plus loin, donc retoucher la couleur des yeux. Donc d'ailleurs on va le faire. On va le faire, donc vous utilisez saturation. Enfin l'effet de calque saturation. Enfin l'effet de niveau saturation. Hop là. Et on va aller chercher directement dans les couleurs. On va venir un peu changer tout ça. Voilà, on va le mettre en bleu. Donc maintenant, on va sélectionner le tout. CTRL I. Et on va le mettre en noir. Bah non, c'est clairement tout qu'il faut mettre en noir. Et c'est les yeux qu'il faut qu'on mette en blanc.
Donc là, c'est, j'ai fait ça un peu rapidement, donc la couleur n'est pas naturelle. Mais enfin, voilà, vous pouvez aller vraiment chercher, chercher la couleur naturelle. Donc là, on est arrivé à un résultat très concluant. Donc on a quelque chose de lisse, d'un peu comme si on avait mis de la poudre, comme si la personne s'était maquillée avec de la poudre. Donc maintenant, on va aller chercher dans les contrastes. Donc on va venir renforcer les contrastes, tout simplement. Voilà, notre contraste est très renforcé, mais il faut qu'on ait seulement ça qui soit contrasté. Donc on fait encore une fois CTRL SHIFT I. Donc SHIFT c'est la majuscule, enfin la grosse flèche pour ceux qui ne connaissent pas. On va venir mettre en noir. Et donc voilà. On est déjà arrivé à un résultat très sympa. Ensuite, on peut aller encore plus loin. Donc on duplique encore une fois notre calque, notre premier calque, donc notre photo mère, donc notre photo qui n'est pas du tout retouchée. On vient mettre encore une fois un effet de flou gaussien. Donc là, on va mettre 6. Voilà. Et là, par contre, on va mettre une opacité de 25. Voilà. Donc un peu comme si... comment expliquer? Comme dans les films, quand le héros voit sa belle arriver, on a un peu cet effet de féerie et d'enjolivation des choses. Donc ensuite, on va venir ajouter un nouveau calque. Et donc par contre, là, c'est un calque, je ne me rappelle jamais du nom, mais c'est au-dessus des calques d'ajustement. Donc on va prendre un dégradé. On va cliquer sur OK et on va mettre un radial inversé en... Voilà, on va mettre un chiffre rond 220 de taille du calque et on va mettre tout ça en overlay. Donc voilà, c'est un peu une photo vraiment retouchée, donc je vais vous montrer la différence entre les deux. Donc là, on voit vraiment donc que c'est très enjolivé, très retouché. Et là, on voit la photo presque brute, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a utilisé l'outil tampon pour supprimer les imperfections. Donc voilà. Donc bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Et j'espère que ce tutoriel vous a été très utile et très intéressant. À la prochaine!